Bien. Madame la vice-présidente, chère Margrethe Vestager, monsieur le ministre, cher Ramundas Karoblis, madame la députée, chère Marie-Pierre Védrenne, mesdames et messieurs, chers amis, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous ce matin et d'organiser cette conférence internationale spécifiquement aujourd'hui, bien évidemment dans le cadre de la présidence du Conseil de l'Union européenne, à quelques jours du sommet de Versailles, et sur un thème qui était déjà d'actualité et qui l'est encore plus au regard de la sombre période que nous traversons en Europe et dans le monde. Je salue également toutes les personnes qui sont connectées et nous suivent en direct sur Internet. Merci à vous. Le thème de notre conférence, l'autonomie stratégique européenne, a pris une résonance toute particulière au regard de la situation tragique qui se joue en Ukraine, aux portes de l'Union européenne. Permettez-moi évidemment d'avoir une pensée pour nos amis ukrainiens et permettez-moi d'en dire quelques mots. Comme vous le savez, le 24 février dernier, la Russie a fait le choix unilatéral de la guerre en déclenchant une agression militaire massive contre l'Ukraine. Cette violation de la souveraineté de l'Ukraine par la Russie a été condamnée avec force et unité par l'Union européenne et par ses partenaires internationaux. Cette agression, qui met profondément en cause la sécurité de notre continent et l'ordre démocratique auquel nous sommes tous attachés, ne pouvait rester sans réponse. En concertation avec ses partenaires internationaux, l'Union européenne a réagi en adoptant des sanctions extrêmement fermes contre le régime de Vladimir Poutine. Ces mesures, rapidement mises en œuvre par l'Union européenne, témoignent tant de notre détermination à agir que de l'unité du Conseil et de la Commission face à cette invasion qui bafoue le droit international. Ces sanctions n'ont qu'un but, appliquer une pression maximale sur l'économie et les autorités russes pour faire cesser les hostilités en Ukraine. Nous le savons, ce conflit aura un impact stratégique, bien sûr, mais aussi économique et commercial à court, moyen et long terme. Ni l'Ukraine ni la Russie ne sont, pour l'Union européenne, dans son ensemble, des marchés de première importance. Mais certaines entreprises, certaines filières, certaines chaînes de valeur sont aujourd'hui exposées, voire très exposées. Alors que nous assistons au cœur de l'Europe, au retour de la conflictualité entre États, notre réponse doit être forte. Cette réponse exige, nous le voyons chaque jour, d'affirmer et d'assumer la puissance de l'Europe, y compris en matière économique et commerciale. Dans les capitales des 27, l'autonomie stratégique a cessé d'être un gros mot. Elle doit aujourd'hui devenir un mot d'ordre. Elle doit devenir un mot d'ordre aussi à la lumière des leçons que nous pouvons tirer de la crise du Covid-19, qui a révélé des vulnérabilités et de sérieux dysfonctionnements dans notre capacité d'approvisionnement en biens essentiels. L'autonomie stratégique doit devenir un mot d'ordre aussi dans un contexte marqué par une recrudescence des pratiques déloyales et par des blocages persistants dans le fonctionnement de l'Organisation mondiale du commerce, qui perturbent le marché intérieur et menacent directement nos entreprises et nos emplois. Je pense par exemple à la coercition économique que la Chine a tenté d'exercer sur la Lituanie, monsieur le ministre, et que nous avons dénoncé d'une seule voix lors du Conseil informel commerce de Marseille, notamment. Elle doit devenir un mot d'ordre pour résister à certaines puissances qui entendent instrumentaliser le commerce à des fins de contraintes politiques sur les décisions légitimes et souveraines de l'Union européenne et de ses États membres. Ce tableau que je viens de dépeindre est inquiétant et démontre l'urgence d'une action européenne unie et forte. Mais attention, autonomie ne signifie pas autarcie. Et la résurgence des tensions et des menaces de toute nature ne doit pas nous conduire au repli ou au protectionnisme. Notre prospérité en dépend. Au contraire, cela demande de faire preuve d'un plus fort engagement international, notamment avec nos partenaires, pour façonner le monde qui nous entoure à l'aune de nos intérêts stratégiques et de nos valeurs. Le maintien de l'ouverture commerciale de l'Union européenne est en effet essentiel pour notre économie. 38 millions d'Européens dépendent aujourd'hui des exportations européennes. C'est pour répondre à ces défis que la Commission européenne a adopté, il y a un peu plus d'un an, sa nouvelle stratégie de politique commerciale pour une politique commerciale ouverte, durable et moins naïve.
Ce chantier de l'autonomie stratégique implique de mobiliser l'ensemble des politiques de l'Union. Je pense bien sûr à la revue et à l'articulation de ces politiques industrielles, commerciales et de concurrence au cours de ces derniers mois. La présidence française du Conseil de l'Union européenne est pleinement engagée pour soutenir cette orientation et les différents outils proposés par la Commission européenne. La conférence d'aujourd'hui permettra tout d'abord d'évoquer le diagnostic des vulnérabilités des chaînes de valeurs européennes et des actions mises en place pour renforcer leur résilience. Nous avons observé, je l'ai dit, de grandes difficultés pour nous fournir en biens qui sont essentiels pour notre santé, notre activité économique et la production européenne pendant la crise sanitaire. Il est, en ce sens, important d'analyser, d'identifier et de recenser les difficultés rencontrées afin de pouvoir calibrer avec précision et efficacité les réponses à apporter. Mais nous avons également observé une formidable capacité d'adaptation de nos entreprises et de nos travailleurs pour faire face à la crise. La politique commerciale contribuera à cette résilience et jouera un rôle clé pour garantir notre approvisionnement. À cet égard, le maintien et le développement de notre ouverture au commerce sont essentiels. En diversifiant nos partenaires commerciaux, nous pouvons diminuer les risques associés à certaines fragilités des chaînes de valeur, notamment lorsqu'elles sont trop concentrées dans quelques pays fournisseurs. En encadrant nos échanges par des règles de droit, nous les rendons aussi plus résilients en cas de crise. En 2020, au cœur de la pandémie, les échanges de l'Union européenne avec les pays avec lesquels elle a des accords commerciaux ont d'ailleurs mieux résisté que ses échanges avec le reste du monde. L'ouverture commerciale passe également par le renforcement des liens économiques et commerciaux avec nos partenaires clés, comme l'Afrique et les États-Unis. J'ai pu organiser ici même, début janvier, malheureusement à l'époque en visio et pas en présentiel, et c'était d'ailleurs la première conférence internationale de la présidence française, une conférence sur le renforcement des liens économiques et commerciaux entre l'Union européenne et l'Afrique. Cela passe par des accords de commerce ou de partenariats économiques, mais aussi par davantage de coopération sectorielle avec nos secteurs privés. Nous voulons également renforcer nos relations avec les États-Unis et poursuivre la bonne dynamique impulsée par la nouvelle administration américaine dans notre relation transatlantique. C'est dans cette perspective que la prochaine réunion du Conseil Commerce et Technologie aura lieu en France les 15 et 16 mai prochains. L'ouverture et la diversification de l'approvisionnement passent également par un commerce fondé sur des règles internationales qui répondent aux défis actuels. Une table ronde sera ainsi dédiée au rôle de l'OMC et ses perspectives de réforme tout à l'heure. La France défend un système commercial multilatéral capable de mettre en œuvre des règles communes et de les faire respecter par tous. Il faut également pouvoir faire évoluer ces disciplines afin qu'elles puissent prendre en compte les nouveaux défis auxquels sont confrontées nos économies et nos sociétés. Je pense notamment à la lutte contre le changement climatique et à la garantie d'une concurrence loyale pour nos entreprises. Pour l'heure, les blocages persistants de l'organisation font obstacle à la bonne application des règles et à leur modernisation. J'espère donc que la 12e conférence ministérielle de l'OMC, reprogrammée en juin 2022, permettra d'impulser une véritable discussion en ce sens. Nous aurons aujourd'hui l'opportunité de réfléchir collectivement à la façon dont nous pouvons faire avancer la réforme de l'OMC avec nos partenaires européens, avec notamment l'intervention en ouverture de la table ronde de Mme Franziska Brandner, secrétaire d'État parlementaire au ministère fédéral allemand de l'économie et de la protection du climat. Nous aurons aussi le plaisir d'entendre un partenaire clé de l'Union européenne et actif sur les questions de concurrence loyale au sein de l'OMC, M. Kenichi Hosoda, ministre d'État de l'économie, du commerce et de l'industrie du Japon. Si le système commercial multilatéral demeure un levier d'action important pour une solution durable et collective, nous ne devons pas être naïfs dans notre réponse aux pratiques commerciales déloyales de certains pays. Une politique commerciale plus affirmée est essentielle pour assurer et protéger les intérêts économiques de nos entreprises et de nos concitoyens. La troisième table ronde permettra ainsi de mettre en exergue les outils de l'Union européenne, actuels et en cours de négociation, qui ont vocation à lutter contre ces pratiques déloyales et donc à établir les conditions d'une concurrence équitable pour nos entreprises. Nous souhaitons faire progresser durant notre présidence les discussions et négociations en cours
sur les instruments proposés par la Commission pour contribuer à la garantie d'une concurrence loyale. J'en veux pour preuve les efforts déployés pour une adoption dans les meilleurs délais du projet de règlement relatif à la lutte contre les distorsions générées par les subventions étrangères sur le marché intérieur. Ce nouvel outil permettra à l'Union européenne de contrôler ces subventions qui provoqueraient ou qui provoquent des distorsions de concurrence sur le marché intérieur et par conséquent fausseraient le libre jeu de la concurrence. Le renforcement de notre arsenal juridique viendra ainsi renforcer les conditions de concurrence équitables entre les entreprises européennes et leurs concurrents étrangers sur notre marché intérieur. Nous travaillons également à la finalisation de l'instrument de réciprocité dans les marchés publics. J'espère d'ailleurs que nous serons en mesure de conclure les discussions dans les prochains jours. Nous travaillons activement avec le Parlement européen et la Commission et les États membres pour parvenir à un compromis ambitieux et acceptable pour tous. Cet instrument servira de véritable levier pour encourager l'ouverture des marchés publics de nos partenaires étrangers afin d'assurer une plus grande réciprocité et ainsi créer de nouvelles opportunités pour les entreprises européennes. Enfin, nous observons depuis plusieurs années une recrudescence des tensions internationales avec, comme je le disais, des puissances qui ne partagent pas les mêmes valeurs que l'Union européenne et n'ont pas la même méthode ou tout simplement pas les mêmes intérêts. Ces puissances refusent trop souvent le dialogue et cherchent parfois à défendre leurs intérêts en utilisant le commerce comme un moyen de contrainte politique, comme une arme, au mépris du droit international et de la souveraineté des États. Il est donc essentiel que l'Union puisse envoyer à ses partenaires un message clair sur le fait que nous serons toujours ouverts au dialogue et au commerce, mais que nous resterons fermes face à toute mesure de coercition économique visant l'Union ou l'un de ses États membres. J'ai évoqué plus tôt le cas de la Chine, mais ce n'est pas le seul pays tiers qui a recours à la coercition économique, mais l'expérience de ces dernières années en fait un cas emblématique. Je fais évidemment référence là également aux mesures chinoises prises à l'encontre de l'Australie. En réponse, la Commission européenne a présenté un projet d'instrument de lutte contre la coercition économique en décembre dernier, qui est actuellement en cours de discussion au Conseil et au Parlement européen. Nous y reviendrons lors de la dernière table ronde de la journée et Raimundas Karoblis, vice-ministre des Affaires étrangères de Lituanie, nous fera l'honneur d'être présent aussi tout à l'heure pour ouvrir cette table ronde et témoigner sur le sujet. Vous le voyez, le programme de cette journée illustre combien la stratégie d'autonomie stratégique ouverte adoptée par l'Union européenne est plus pertinente et nécessaire que jamais. L'Europe doit être au rendez-vous. Mesdames et messieurs, afin de débuter cette journée, je vous rappelle que vous avez un petit outil pour la traduction et l'interprétation dans vos langues. Permettez-moi, avant de débuter cette journée et les différentes tables rondes, de donner tout d'abord la parole à Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission européenne, qui nous fait l'honneur d'être présente aujourd'hui à Paris et qui pourra nous exposer sa vision des enjeux de l'autonomie stratégique européenne. Madame la vice-présidente, chère Margrethe, c'est à vous et merci encore une fois d'être avec nous aujourd'hui. Merci à tous. Bonjour. Good morning. Bonjour. Je vous remercie de m'avoir invité à être parmi vous aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir être ici en personne parce que je pense que c'est vraiment important d'être ensemble dans la même salle. Cela change de voyager parce que voyager, ça ouvre votre esprit à de nouvelles choses. Et cela, bien sûr, c'est ce dont nous avons besoin. Et c'est tout particulièrement vrai en ces jours. Les événements des dernières semaines sont vraiment cruciaux. C'est un vrai tournant pour chacun d'entre nous. Personne n'est épargné. Tout le monde est touché. Évidemment, cela touche nos politiques, nos relations étrangères. Je ne veux pas beaucoup m'exprimer sur le sujet. Je pense que notre hôte aujourd'hui l'a déjà exprimé de manière très claire.
mais je pense que les événements auxquels nous assistons vont nous galvaniser en tant qu'Européens, en tant que citoyens du monde qui croient en la souveraineté, en la démocratie, en le respect du droit international. L'agression inacceptable du pouvoir russe et le courage, le sacrifice du peuple ukrainien, eh bien, cela nous unit, cela renforce notre sentiment d'appartenance. Il faut que nous renforcions notre capacité à faire face à une agression illicite. Et nous sommes déterminés à appuyer l'Ukraine. De plus, nous avons pris des mesures coordonnées avec nos partenaires afin de renforcer nos sanctions à l'encontre de Moscou et de Minsk. Nos sanctions sont efficaces et elles sont efficaces en raison de l'ampleur et de la taille, la force de notre économie. Et nous serons en mesure de faire face aux effets de ces sanctions en raison de la résilience de notre marché unique. Et c'est la raison pour laquelle renforcer notre marché unique, c'est aussi un investissement pour que nous soyons en mesure d'agir sur la scène internationale. En gardant cela à l'esprit, il faut que nous continuions à travailler sur la résilience de notre économie en appuyant l'économie, en travaillant sur la transition numérique, l'économie verte, permettre aux entreprises d'agir dans des conditions de concurrence équitable. En bref, il nous faut rendre notre marché unique plus fort. Et cet exercice de renforcement est à la fois une dimension interne et externe. Un exemple du renforcement en interne, eh bien, c'est notre instrument d'urgence pour le marché unique à venir. Il s'agit de garantir le fonctionnement du marché unique à tout moment. À mesure que nous sortons de la crise du Covid, eh bien, nous ne nous attendions pas à cette crise d'un tout autre ordre qui nous touche aux frontières de l'Union européenne. Et cela montre l'importance d'être préparé à faire face aux crises. Et puis, il y a la dimension extérieure qui fait partie de notre stratégie industrielle. Nous avons travaillé avec les secteurs industriels afin d'identifier les domaines dans lesquels nous avons une dépendance, afin que nous ne finissions pas dans une situation vulnérable. Pour les semi-conducteurs, une solution est déjà en cours de préparation. La législation sur les puces va permettre de lutter contre les dépendances dans ce secteur-là, en renforçant la position de l'Union européenne, à la fois en termes de recherche, mais également pour ce qui est de la production sur le territoire européen. Et en nouant des partenariats avec des démocraties, eh bien, nous pourrons stabiliser notre chaîne d'approvisionnement, parce que, évidemment, l'Europe ne peut pas agir seule, mais nous pouvons nouer des partenariats. Et je pense qu'il faut regarder la réalité en face. Les événements actuellement en Ukraine nous ont montré ce que nous savions déjà, à savoir que notre dépendance stratégique face au gaz russe rend notre secteur de l'énergie vulnérable, à la fois sur le court terme et sur le moyen terme. Mais cela nous donne également une raison de plus d'intensifier nos engagements envers la transition écologique, la transition verte. Comme notre hôte l'a déjà dit, l'idée, ce n'est pas de se replier sur soi. L'idée, c'est de mettre en place un bouquet énergétique plus vert qui nous donne davantage de résilience, davantage d'options. Et tout cela vaut également pour toutes nos politiques de concurrence, que ce soit pour la fabrication, la vente au détail, les services financiers. Il nous faut des marchés ouverts et dynamiques pour rester résilients. Si l'on ne peut plus s'approvisionner à un endroit, eh bien, il y en a un autre. Si vous n'avez plus un client, vous en trouverez un autre. Et c'est également
là qu'intervient notre proposition pour lutter contre les subventions étrangères génératrices de distorsions sur le marché. Nous ne pouvons plus tolérer cela sur le marché unique, et il faut le dire très clairement. Et en même temps, il s'agit de laisser l'Union européenne ouverte aux investissements étrangers, à la concurrence internationale, parce que nous avons quelque chose à proposer. La proposition va permettre à la Commission d'agir contre les subventions étrangères accordées aux entreprises qui opèrent sur le marché unique, parce que, évidemment, ces subventions étrangères peuvent mettre à mal les conditions de concurrence équitable que nous avons mis plus de 50 ans à mettre en place. Il ne s'agit pas de protectionnisme, non, il s'agit d'équité. Notre proposition trouve un juste milieu entre l'efficacité et le fardeau, bien sûr, que cela crée. Et il s'agit de trouver l'équilibre entre nos propres règles de subvention d'État et les règles de l'Union européenne, afin de faire en sorte que tout le monde ait des conditions équitables sur le marché de l'Union européenne. Et il s'agit de permettre aussi à des investissements étrangers qui ne mènent pas une distorsion de concurrence puissent arriver dans l'Union européenne. Il faut donc avoir des objectifs vraiment très ciblés. On a parlé d'élargir le champ d'application, aller plus loin que les subventions étrangères, travailler sur les normes environnementales, notamment avec nos partenaires commerciaux. Alors, ces questions-là, bien sûr, sont absolument cruciales. Elles sont tout aussi importantes qu'elles sont complexes. Alors, ce qui n'est pas un avantage concurrentiel dans le commerce entre deux pays, alors ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe en termes de politique commerciale depuis des décennies. Mais le règlement sur les subventions étrangères ne pourra pas régler tous ces problèmes. Il s'agit d'un instrument du marché unique, et c'est sur cela qu'il faut que cet instrument soit concentré. Il faut assurer des conditions de concurrence équitable sur le marché unique, c'est son objectif. Mais en même temps, cet instrument n'agira pas seul. Il y a toute une série d'autres initiatives liées aux normes environnementales, aux conditions de travail, parce que bien sûr, ce sont des questions auxquelles il faut s'atteler également. Par exemple, notre nouvel instrument législatif sur la diligence raisonnable dans les chaîne d'approvisionnement des différents secteurs industriels, ou également la lutte contre les fuites de carbone. Et l'Union européenne reste pleinement engagée au soutien du cadre multilatéral, notamment, bien sûr, le travail de l'Organisation mondiale du commerce. Nous sommes engagés à réformer l'OMC avec nos partenaires internationaux, et nous appuyons également un commerce ouvert et équitable dans le cadre de notre politique de voisinage. Et nous avons notamment un renforcement de nos politiques avec les pays africains, comme notre hôte l'a évoqué dans son discours liminaire. C'est très important pour l'Union européenne. Mais nous étendons également nos instruments législatifs pour avoir une politique commerciale européenne plus forte. Ça va de la proposition dont je viens de parler, également la proposition d'un instrument de lutte contre la coercition économique, et également pour travailler sur la question de la réciprocité dans les marchés publics. Tous ces instruments participent à la solution. Tous ces instruments vont nous permettre de rendre notre marché unique plus résilient, plus équitable, mais également plus sûr, plus fort à l'échelle internationale, afin que l'Europe sache quelle est sa valeur et montre toute sa puissance. Ce que je vois et ce qui me semble encourageant en ce moment déterminant, c'est que nous sommes unis derrière cet objectif commun. L'agression dont nous sommes le témoin en Ukraine, eh bien, je vois cela comme un signe de faiblesse et de désespoir. Et je crois que nous faisons ce qu'il faut pour montrer notre solidarité au peuple ukrainien. Je suis d'accord, c'est un peu long. Mais il faut aussi que nous fassions ce qui est nécessaire en restant très forts, très engagés par rapport à nos principes.
nos principes d'équité, d'ouverture, de démocratie, de paix. C'est pour cela que le peuple ukrainien se bat en ce moment. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame la Vice-Présidente. C'est le moment de lancer cette première table ronde sur la vulnérabilité des chaînes de valeurs européennes révélées par la crise sanitaire. Et donc, j'appelle Monsieur Sébastien Jean, professeur d'économie au Conservatoire national des arts et métiers, qui sera le modérateur de cette table ronde. Merci beaucoup. Et nous aurons en intervenant en visioconférence Madame Sandra Galina, qui est directrice générale de la Direction générale de la Santé, Madame Isabelle Méjean, qui est professeure à Sciences Po et aussi au Conseil d'analyse économique, Madame Frédérique Legrève, présidente directeur général de ST Microelectronics France, et Monsieur Florian Bressan, directeur général de Miracle. Merci beaucoup. C'est à vous. Merci, Monsieur le Ministre, et bonjour à tous. Bonjour à tous, et donc bienvenue à cette première table ronde qui va être consacrée aux vulnérabilités des chaînes de valeur européennes révélées par la crise sanitaire. Alors, beaucoup de choses ont été dites déjà sur... à la fois l'importance de cette question et le contexte particulier dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, ce contexte tragique qui lui donne une importance renouvelée, décuplée d'une certaine façon. Pour autant, cette question n'est pas nouvelle. Elle est cette question de la réflexion sur la vulnérabilité de nos chaînes de valeur, sur la résilience de l'économie européenne, sa capacité à résister aux crises sanitaires, aux crises politiques, géopolitiques, aux crises commerciales éventuellement, capacité à résister, capacité à défendre ses intérêts et ses valeurs, même dans un contexte entre guillemets anormal. C'est une question qui a pris de l'importance, en particulier sur fond de tensions géopolitiques croissantes. Et malheureusement, ce n'est pas nouveau. Ça ne date pas non plus ni d'aujourd'hui, ni de février 2022, ni de février ou ni de janvier 2020. Avec donc les guerres commerciales auxquelles on a pu assister ces dernières années, des tensions géopolitiques de plus en plus palpables. Une utilisation croissante des sanctions commerciales, y compris d'ailleurs par l'Union européenne. Et donc le contexte d'aujourd'hui, là encore, est particulièrement, enfin, fait changer, disons, d'ordre de grandeur la problématique. Tout cela avait déjà amené l'Union européenne à s'interroger sur les objectifs et les modalités de ces interdépendances économiques avec l'étranger, à affirmer depuis un certain temps déjà son objectif, à le formuler sous forme d'autonomie stratégique ouverte. Maintenant, la crise sanitaire a été une étape importante dans ce domaine parce que elle a, je pense, accentué la prise de conscience en la matière. D'abord, dans les premiers temps de la crise en Chine, avec des interrogations sur les conséquences de la fermeture, entre guillemets, de l'usine Chine pour la production en Europe. Interrogations qui ont vite été ensevelies d'une certaine façon par l'extension de la crise et à ce moment-là par la réalisation de notre dépendance aux importations pour des éléments essentiels de lutte contre la pandémie, qu'il s'agisse de masques, de protection personnelle, ensuite de médicaments potentiellement.
Et puis, dans un troisième temps, le constat de perturbations durables sur les chaînes de valeur, y compris pour des produits stratégiques comme les semi-conducteurs, par exemple. Donc, tout ça, je crois, a vraiment modifié notre regard sur ces questions. Alors, comme cela a été très bien souligné dans les propos introductifs, beaucoup a été dit sur ces questions. Différentes initiatives de politique économique ont été prises depuis. On a eu également finalement de plus en plus d'expériences malheureusement, je dirais, des matérialisations, des concrétisations de ces problématiques. Et donc, il me semble que il est aujourd'hui particulièrement intéressant d'essayer de tirer le bilan de ces expériences, de ces analyses, de ces initiatives de politique économique pour porter à nouveau un regard sur cette question de vulnérabilité des chaînes de valeur, un peu plus de 2 ans après le début de la crise sanitaire, dans le contexte spécifique d'aujourd'hui. Voilà, je suis donc particulièrement heureux de modérer cette table ronde avec un panel d'intervenants de très grande qualité et d'horizons très divers du secteur privé, du secteur public, acteurs, analystes, participeront à cette table ronde. Donc Sandra Galina qui va être en visio, j'espère que, je ne sais pas comment on établira le contact, mais j'espère qu'on pourra établir le contact. Donc Sandra Galina est directrice générale de la DG Santé, directrice de la Direction Générale de la Santé à la Commission européenne. Isabelle Méjean qui est professeure à Sciences Po, est membre du Conseil d'analyse économique et qui a travaillé notamment sur les questions de résilience, d'analyse de résilience de l'économie française et européenne. Frédéric Legreves, qui est présidente directrice générale de ST Microélectronique France, donc au cœur de certaines des problématiques que j'ai mentionnées, nous y reviendrons, puisque ST Microélectronique est un des grands acteurs européens dans le domaine des semi-conducteurs. Et puis Florian Brisson, qui est directeur général de Miracle, qui est un éditeur de solutions logicielles de marketplace, et à ce titre également au cœur d'une dimension peut-être un peu différente de la résilience, notamment en termes d'infrastructures ou de ce qu'on a pu appeler en Europe d'entité critique. Voilà, alors je commence peut-être, Frédéric Legreves, en me tournant vers vous. Puisque je l'ai dit, je l'ai rappelé, vous êtes à la tête d'une entreprise qui est au cœur de ces problématiques, parce que c'est un secteur, celui des microconducteurs et la microélectronique, qui est particulièrement intégré dans ces chaînes de valeur mondiales dont on parle beaucoup, qui sont extrêmement complexes. Et puis c'est un secteur qui est au cœur de l'actualité aussi, à la fois parce qu'on a pris conscience de son importance stratégique et parce qu'on a pris conscience aussi de la difficulté d'adaptation dans des crises comme celle-ci, des capacités aussi d'adaptation extraordinaires par certains côtés et des tensions quand même malgré tout que ça a généré. Alors pouvez-vous peut-être pour commencer nous décrire l'organisation de la production au sein de votre secteur d'activité et nous expliquer les difficultés d'approvisionnement que l'on observe actuellement. Monsieur Jean, merci. Mesdames, messieurs, bonjour. Peut-être un petit mot déjà sur les semi-conducteurs, parce que je ne sais pas si tous les personnes dans la salle et ceux qui nous écoutent savent exactement ce que sont des semi-conducteurs. Et pour être de façon très simple, ce sont toutes les puces électroniques que vous retrouvez dans les objets du quotidien aujourd'hui, à partir du moment, je dirais, où votre téléphone vous réveille le matin, votre cafetière, votre rasoir, votre séchoir, votre voiture et bien sûr aussi tous les objets industriels. Et grâce aux composants et aux puces électroniques, on rend nos objets plus intelligents et surtout moins énergivores. Donc ça, c'est juste la petite introduction pour savoir de quoi nous parlions. Alors, vous m'avez posé la question sur l'organisation de la production au sein de notre secteur d'activité. C'est effectivement important de le comprendre parce que ça permet de comprendre un petit peu mieux la crise des semi-conducteurs, parce qu'on a parlé de crise qui a été générée par la pandémie. Ce qui est important de savoir déjà, c'est au niveau du business model. Il existe plusieurs types d'entreprises de semi-conducteurs. Vous avez tout d'abord ce qu'on appelle les IDM, c'est-à-dire les fabricants intégrés, dont
ST Microelectronics fait partie, c'est-à-dire que l'on fabrique, mais aussi on développe nos propres composants. Donc on les développe et on les fabrique. On fabrique quasiment pour ST Microelectronics 80% de nos composants. D'autres grands noms du secteur qui sont intégrés, c'est par exemple les autres Européens tels que NXP ou Infineon. Ensuite, vous avez les fondeurs. Et je suis certain qu'avant la crise, peu de personnes présentes ici avaient entendu parler de TSMC. Et aujourd'hui, le Taïwanais, le fondeur taïwanais, dont je pense à peu près tout le monde a maintenant entendu parler. Donc les fondeurs développent principalement en très, très, très gros volume. Ils produisent en très, très gros volume et développent un petit peu, mais ils fabriquent principalement les composants que d'autres développent. Donc bien sûr TSMC, mais aussi Samsung Foundry ou Global Foundry font partie de ces fondeurs. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les fabless, c'est-à-dire les gens qui développent mais qui ne fabriquent pas. Et donc, parmi les fabless, il y a bien sûr Nvidia et Qualcomm, des noms de l'électronique que les gens ont généralement entendus. Donc ça, c'est pour la partie business model. Donc vous voyez déjà petite complexité parce qu'avec des acteurs et des entreprises à des niveaux tout à fait différents. Ensuite, en ce qui concerne donc les entreprises intégrées telles que ST Microelectronics, laissez-moi vous dire juste quelques mots sur la production. J'ai rejoint récemment cette industrie et venant de l'industrie automobile, j'étais très habituée quand on rentrait dans une usine à se dire, vous partez d'une plaque de métal et à la fin de la journée, vous avez ce magnifique objet qui est une auto. L'industrie des semi-conducteurs est bien différente. Vous avez d'abord ce qu'on appelle les usines front-end, c'est-à-dire les usines où on achète ces fameuses plaques de silicium, dont l'entreprise, par exemple, Soitec en France est l'un de nos fournisseurs. Et donc sur ces plaques, on vient imprimer les semi-conducteurs, les microprocesseurs, les microcontrôleurs. Et ces opérations dans nos usines front-end peuvent durer entre, on dit en moyenne 3 mois, mais ça peut aller au-delà, jusqu'à 4 mois. Donc voilà, ces galettes restent dans nos usines pendant en moyenne 3 mois. Ensuite, elles voyagent dans les usines qu'on appelle les usines back-end, où on vient assembler les composants, les tester, enfin les découper déjà, parce que sur une plaque, vous en avez quelques centaines, parfois quelques milliers. Donc on les découpe, on les assemble, on les teste, et ensuite elles sont envoyées chez nos clients. Donc des usines front-end qui pour ST sont principalement en Europe, en France et en Italie, on a une usine aussi à Singapour, des usines back-end qui sont par exemple à Malte, au Maroc, on a aussi une petite usine de back-end en France, à Rennes, qui est spécialisée dans tout ce qui est l'aérospatial et par exemple dans le rover sur Mars, certains des composants électroniques qui sont dans ce rover ont été assemblés justement dans notre usine de Rennes. Donc voilà, vous voyez, je vous disais au départ, donc un business model avec des acteurs différents, une fabrication qui prend du temps, au total entre le front-end et le back-end, ça peut aller jusqu'à 4 mois, voire plus, et puis après une diversité de clients. Nous avons bien sûr des gros clients. Alors ST, c'est 45% de notre chiffre d'affaires avec les clients, je dirais, notre top 10, tels que Apple, Tesla, les grands acteurs de l'automobile, tels que Conti, Bosch, bien sûr Valeo et les constructeurs automobiles, mais aussi tous les gros industriels, tels que Schneider, par exemple, pour la France. Donc une diversité d'acteurs, ces gros acteurs qui représentent 45% de notre chiffre d'affaires, et après une multitude de PME, donc on parle plus de 100 000 clients que nous avons, donc c'est pour ça quand on nous demande de tracer tous nos clients, ça devient extrêmement compliqué tellement la chaîne de valeur est complexe et le nombre de clients est important. Et à tous ces clients, il faut savoir qu'on livre
par an plusieurs milliards de puces. Donc, ça accentue encore la complexité. Donc, en résumé, une industrie stratégique, Madame Vestager l'a mentionné, complexe, du business model à la production, la supply chain et la diversité de nos clients. Monsieur Jean, ensuite, vous m'avez demandé comment fait-on pour les difficultés d'approvisionnement. Donc, j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière, en mars 2020, quand la pandémie a commencé et que les confinements ont été déclarés dans nombre de pays. Si vous vous souvenez, à ce moment-là, l'industrie automobile, par exemple, a arrêté toutes ses chaînes de production. Du jour au lendemain, on nous a dit « vous ne livrez plus l'industrie automobile ». À ce moment-là, avec le confinement, le télétravail, la demande en téléphonie, ordinateur, mais aussi toutes les activités que les gens ont fait chez eux, c'est-à-dire de l'outillage, du jardinage, et puis aussi changer beaucoup d'électroménager. Et donc, l'industrie automobile est arrivée à zéro et tout le reste a continué à augmenter. Heureusement, on a pu garder nos usines et nos fabrications ouvertes. Bon, il faut savoir que nous, on fabrique dans des salles blanches, donc nos collaborateurs étaient d'autant plus protégés quand ils venaient travailler que je dirais, dans la vie de tous les jours. Donc, je dirais qu'il y a eu une double transformation parce qu'on avait bien sûr, en tant qu'entreprise de semi-conducteurs, on avait vu que la part de l'électronique allait continuer à augmenter. Mais il y a eu une double transformation au niveau de l'électrification de tous les objets et aussi de la transformation digitale. Et donc, quand les industries automobiles sont reparties, donc c'était à peu près été-automne de 2020, après, en hiver, ça s'est accéléré, et début 2021, là, c'est vraiment, il y a eu un bond. Et il faut savoir que ce bond s'est accompagné de véhicules de plus en plus électrifiés et de plus en plus connectés. Donc une demande de composants encore plus importante. Pour vous donner une idée, un moteur thermique, il y a à peu près une valeur de 400, alors j'ai les chiffres en dollars, une valeur de $400 de composants. Dans un moteur électrique, c'est à peu près 1000. Donc vous voyez, plus du double entre un moteur thermique et un moteur électrique. Quelques chiffres que j'ai trouvé intéressants aussi, entre 2020 et 2021, il y a eu une augmentation de 64% de vente des véhicules électriques dans un marché automobile qui a baissé de 1,5%. Donc pour vous montrer les parts de l'électrification du marché et donc de la demande des composants. Donc voilà un petit peu pour vous dire à quoi on a fait face. Je pense qu'on reviendra un peu plus tard éventuellement sur les solutions. Merci beaucoup pour ce tableau très éclairant des complexités de ce secteur, dans beaucoup de dimensions différentes d'ailleurs, et puis du caractère exceptionnel de la période que l'on a traversée récemment. C'est justement évidemment un sujet de réflexion pour les économistes et pour essayer après de prendre du recul et d'avoir une vision d'ensemble de la façon dont on peut analyser ces vulnérabilités, réfléchir, faire leur bilan. Et justement, Isabelle Méjean, c'est un sujet sur lequel vous avez travaillé, notamment pour le Conseil d'analyse économique, d'essayer de dresser ce tableau d'ensemble. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles sont les conclusions que vous en tirez ? Effectivement, bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité à cette table ronde. Donc effectivement, moi j'ai travaillé un peu sur ces questions dans les deux dernières années, en particulier parce qu'on m'a demandé dans le cadre du Conseil d'analyse économique de travailler sur une note sur les questions de résilience et de vulnérabilité dans les chaînes de valeur internationales. Et on m'a demandé de travailler sur ce sujet parce que c'est évidemment directement lié à mes travaux de recherche, qui étudie la structure et la vulnérabilité des chaînes de valeur. Donc dans ce travail, ce qu'on a essayé de faire avec Xavier Jaravel, qui est un autre économiste de la London School of Economics et membre du Conseil d'analyse économique,
c'est d'essayer d'objectiver d'une certaine manière cette notion de vulnérabilité dont on parlait beaucoup dans les médias, avec beaucoup d'évidences anecdotiques très intéressantes comme celles qui viennent d'être discutées. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est au contraire d'essayer d'aborder cette question du point de vue statistique, essayer de mettre en place des outils statistiques pour identifier des vulnérabilités potentielles dans les chaînes de valeur internationales dans lesquelles sont impliquées les entreprises françaises. Donc ce travail, il se base évidemment sur les enseignements de la littérature académique sur les chaînes de valeur internationales, qui sont des structures productives qu'on étudie beaucoup en commerce international. D'abord parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que le commerce international, à l'échelle globale, on estime qu'à peu près 50% des flux de commerce international transitent par ce qu'on appelle des chaînes de valeur, c'est-à-dire des modes de production qui sont éclatés à l'échelle internationale avec différentes entreprises qui vont participer à différents éléments de la chaîne de production, comme ça a été discuté dans le cas particulier de la chaîne de production des semi-conducteurs. Donc ces modes de production éclatés géographiquement et fragmentés, c'est des modes de production qu'on sait très efficace, mais assez fragile de manière structurelle, puisqu'ils vont impliquer de nombreuses interdépendances entre des entreprises qui ne se connaissent pas nécessairement les unes les autres. C'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est très difficile dans ces modes de production extrêmement complexes de connaître l'intégralité de la chaîne et donc d'estimer son exposition à des risques qui peuvent intervenir à des milliers de kilomètres. Cette fragilité, elle est renforcée par deux caractéristiques des chaînes de valeur qu'on a pu étudier. C'est d'abord le fort degré de concentration de la production qui est lié aux économies d'échelle dont on a discuté tout à l'heure. À certains points de la chaîne de production, comme au niveau de la fonderie, par exemple, pour les semi-conducteurs, on va avoir des productions à très, très grandes échelles pour essayer de maximiser les économies d'échelle et donc une concentration à l'échelle mondiale sur un très petit nombre d'entreprises. Et le deuxième élément qui augmente, disons, la fragilité des chaînes de valeur ou le manque de résilience au choc, c'est le fait que ces modes de production ont beaucoup adopté des méthodes de management de production en just-in-time, en production en temps réel. Et donc ces productions en temps réel elles-mêmes impliquent une réduction des stocks qui peuvent permettre de jouer le rôle d'amortisseur en cas de choc. Et encore une fois, c'est un très bon exemple, les semi-conducteurs, cette production en temps réel, elle est d'autant plus compliquée que certaines étapes de production peuvent nécessiter 3 mois de production et donc vont impliquer des grandes difficultés à gérer la production en temps réel. Donc ça, c'est un peu ce qu'on sait du point de vue théorique. Et donc ce qu'on a essayé de faire dans le cadre du CAE, c'est justement d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire à partir des données existantes pour essayer d'identifier des zones potentielles de vulnérabilité. Et donc ici, on a utilisé les données les plus précises possibles, qui sont les données qui sont fournies par les douanes françaises, qui permettent de cartographier les importations françaises à un niveau très désagrégé, c'est-à-dire au niveau d'une nomenclature produit à 10 000 produits. Et puis, on a l'information au niveau de chaque entreprise. On sait exactement la nature des importations de chaque entreprise française. À partir de ces données, on a défini des critères de vulnérabilité potentielle qui sont basés sur un approvisionnement majoritairement hors Union européenne et avec un degré de concentration géographique important, c'est-à-dire qu'on considère qu'un type de produit et une catégorie d'importation est plus vulnérable si les importations proviennent majoritairement d'un seul pays hors Union européenne. Encore une fois, parce que cette concentration dans la dimension géographique implique un manque de diversification. Si jamais il y a un problème à un point de la chaîne, la possibilité de se retourner vers un autre producteur potentiel. Donc avec ces deux critères statistiques très simples, on réussit déjà à identifier une liste relativement limitée de 644 produits sur à peu près 10 000 qui constituent environ 4% des importations françaises et qu'on va considérer comme des vulnérabilités potentielles dans les chaînes d'approvisionnement françaises. Et puis on a un critère de vulnérabilité avancée
qui est basé sur le fait que très peu d'entreprises en France achètent la majorité de ces importations. Ça peut être par exemple des grossistes pour un bien très particulier. Donc voilà, à partir de cette analyse statistique très simple, on arrive à établir une liste de produits. Et donc ce qu'on fait dans la note, c'est on suggère de définir une stratégie de résilience pour la France, ou évidemment de manière plus réaliste au niveau européen, et d'utiliser ce type de critères objectifs, statistiques, pour faire un point de départ à cette stratégie de résilience, avec évidemment l'idée que cette liste doit être affinée grâce à des critères complémentaires, notamment des critères qualitatifs, comme c'est fait beaucoup par exemple à la DGE en France, qui vont avoir la connaissance un peu sectorielle qui va permettre d'affiner le diagnostic de vulnérabilité. Et puis, à partir de ces listes, de l'identification de ces vulnérabilités potentielles dans les chaînes de valeur, essayer de définir des objectifs de résilience à moyen terme, puisque évidemment ces problèmes ne se résolvent pas à très court terme, essayer d'avoir des objectifs concrets qui vont être atteints en combinant différents types de politiques économiques qui peuvent pousser soit à la diversification des approvisionnements, soit à la constitution de stocks stratégiques quand c'est possible, etc. Dernier point, et puis après j'arrêterai parce que je ne sais pas très bien quel est le temps imparti, mais je ne veux pas utiliser le temps qui va être dédié aux questions. Je pense que ce qui est important de voir, c'est que ce qu'on a fait ici pour le Conseil d'analyse économique a utilisé toutes les données disponibles pour des chercheurs, mais on discute aussi dans la note, et c'est un élément important notamment de notre diagnostic, de ce qu'on pourrait faire en plus avec des meilleures données ou avec des méthodes complémentaires. Donc en particulier, on discute assez précisément les sources statistiques qui sont disponibles en Union européenne, puisque, encore une fois, on pense que ces questions de résilience doivent être traitées à l'échelle de l'Union européenne. Et déjà, la question des statistiques, il y a beaucoup de statistiques qui sont collectées en Union européenne et qui pourraient être mobilisées de manière très utile pour mieux comprendre ces interdépendances productives, pour mieux identifier les codépendances des entreprises européennes. Et ici, il y a vraiment une source statistique qui est sous-utilisée. Et puis, on préconise aussi l'utilisation de méthodes de type stress test pour essayer d'identifier des fragilités dans un contexte particulier de risque. Puisque, évidemment, ces problèmes d'approvisionnement, ils ont été mis en évidence dans le cadre de la crise du Covid, où on a eu des ralentissements de productivité un peu partout dans le monde et puis des tensions sur la logistique internationale. Mais demain, les risques auxquels on va faire face peuvent être d'ordre sanitaire, mais aussi climatique, géopolitique, etc. Et pour vraiment appréhender les fragilités face à ce type de risque, c'est nécessaire d'utiliser des méthodes plus précises, notamment des méthodes de stress test qui vont permettre de mieux identifier les zones potentielles de fragilité et intervenir en amont sur ces fragilités. Merci beaucoup Isabelle, et pour la description de ce travail et finalement de cette approche ou de ces lunettes un peu nouvelles pour un certain nombre d'économistes qui consistent à poser un peu d'autres questions à l'analyse économique, et notamment celle de l'anticipation des fragilités en complémentarité avec justement ce que peuvent dire les acteurs de terrain pour essayer de maximiser, disons, à la fois dans un premier temps notre capacité d'anticipation pour formuler les bonnes réponses de politique économique, et puis nos capacités de réponse. Alors, ces capacités de réponse, elles dépendent évidemment des chaînes de valeur, elles dépendent aussi de notre capacité à avoir un tissu industriel flexible, à avoir une bonne réponse, non seulement en termes individuels, mais aussi en termes de coordination, en termes d'infrastructure également. Et je me retourne vers vous, Florian Bressan, pour vous demander votre analyse de ces questions, et pour vous demander en particulier comment votre entreprise a contribué à maintenir la continuité de l'activité dans ce domaine. Avant juste que vous répondiez, peut-être je voudrais préciser, je ne l'ai pas fait précédemment, qu'on va garder 10-15 minutes à la fin pour les questions dans la salle, et puis également si vous regardez par vidéo, vous pouvez les poser en ligne et on essaiera de s'en faire l'écho. Voilà. Bonjour.
et merci de me permettre d'apporter un témoignage terrain e-commerce et marketplace. Alors, peut-être deux mots d'introduction. J'ai de la chance parce que le concept est en fait assez simple et universel. La marketplace, c'est de mettre en lien des clients, des acheteurs, avec des producteurs, des fabricants et des marques. Et l'entité qui fait ça, nous on appelle ça dans notre jargon l'opérateur de la marketplace, de la plateforme, voilà, qui organise ces transactions de manière sécurisée et qui prend au passage une commission. Donc c'est un modèle différent de l'achat-revente. C'est un modèle qui est très très important aujourd'hui parce que ça croît deux fois plus vite que le e-commerce dans son ensemble. Et selon les catégories de produits, ça peut représenter 40, 50, 60% du volume total de e-commerce. Et la plupart d'entre nous sommes clients de marketplace. Si on doit en citer les deux plus grandes, les deux plus visibles aujourd'hui, ce sont Alibaba et toutes ces différentes filiales d'acteurs issus de Chine et Amazon, issus des US. Et alors c'est là que justement nous, Miracle, intervenons, et peut-être deux, trois mots pour expliquer ce qu'on fait. Nous sommes le leader mondial de la technologie de marketplace qui permet à justement d'autres acteurs plus traditionnels, historiquement des distributeurs, de eux-mêmes devenir opérateurs de marketplace. Et on pense que c'est important, et je vais l'illustrer, en termes de résilience et aussi en termes d'autonomie, parce qu'au final, c'est l'opérateur de la plateforme qui fixe les règles. Alors évidemment, avec un cadre réglementaire, et on salue le fait que ça évolue en Europe vers ce level playing field, mais quand même au final, l'opérateur, parce que c'est l'opérateur qui contrôle l'accès aux clients, et c'est l'opérateur qui contrôle les données, donc qui le met dans une position absolument unique pour organiser justement ou réorganiser les chaînes de valeur. Voilà, donc en deux mots, et peut-être sur l'entreprise, Madame Vestager tout à l'heure a parlé de scale-up en Europe, donc voilà, on en est un exemple, et très accompagné et soutenu en France et en Europe. C'est une entreprise française, la technologie est en France, on est aujourd'hui 650 personnes dans 15 pays, et 80% à l'export. Donc on voit aussi, et c'est d'ailleurs une de nos grandes sources de fierté, que non seulement on accompagne en France 27 des top 30 distributeurs dans leur stratégie de marketplace et de plateforme, mais on le fait aussi partout en Europe. Je pense par exemple à MediaMarkt qu'on accompagne en Allemagne, aux US avec Macy's, Kroger, les plus grands distributeurs mondiaux. Et on voit que c'est un jeu d'échelle, et notamment d'ailleurs nous, nos clients européens, on peut penser à Decathlon aussi, Leroy Merlin, organisent des plateformes pan-européennes. Donc c'est un outil d'autonomie et de résilience. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la marketplace permet en temps réel de donner beaucoup plus de choix, beaucoup plus de flexibilité et, terme aussi cher à Mme Vestager, plus de concurrence. Et pas simplement une concurrence vers le bas sur les prix. On a eu plusieurs exemples un peu compliqués récemment d'acteurs justement hors Union européenne qui ne sont pas forcément très respectueux des règles, mais une concurrence sur les prix, la qualité de service, la qualité du produit et les délais. Et en fait, on est là dans le cœur de notre sujet de supply chain, hein, coût, qualité, délai. Voilà. Donc trois exemples très très concrets pour montrer comment cet outil a pu être utilisé, parce qu'on parlait de stress test tout à l'heure, on est en stress test permanent en fait, hein, depuis plus de deux ans. Nous, on l'a vu, on a eu au moment du premier confinement un appel du secrétaire d'État au numérique et également de la DGE pour voir comment on pouvait mettre en place en temps rapide une plateforme, évidemment pro bono, pour aider à organiser ce marché des équipements de protection et notamment au début du gel qui a changé d'ampleur du jour au lendemain. Donc on a lancé avec la DGE cette plateforme stopcovid.fr en 48 heures. L'idée c'est de montrer que c'est un modèle qui est très rapide pour permettre des échanges entre notamment des acteurs, je pense à Arkema, mais d'autres industriels qui mettaient à disposition du gel hydroalcoolique et les établissements de santé. Donc au final, en quelques mois, ce sont, pour vous donner une idée, 200 millions de masques. Alors aujourd'hui, le chiffre semble faible, mais à l'époque, c'était particulièrement important, on se souvient du contexte. Et 1,5 million de litres de gel hydroalcoolique qui ont été échangés sur la plateforme avec 20 000 établissements de santé et entreprises prioritaires. Donc on voit que le fait de disposer de cette technologie nous a permis, au niveau français, et on a eu quelques discussions d'ailleurs pour l'élargir en Europe par la suite, d'avoir en temps très très rapide
la mobilisation du supply là où il était. Et là, en l'occurrence, c'est ces acteurs qui rendaient disponible le supply. Alors ça, c'est voilà, une initiative dans le domaine directement de la santé. Si je prends notre cœur de métier, qui est d'accompagner des distributeurs, ben, beaucoup d'entre eux ont fait face à des disruptions très, très fortes, puisque les magasins étaient fermés pour beaucoup de secteurs. Les entrepôts aussi ont pu être très affectés. Et donc, le fait d'avoir, je pense à notre client Conforama en France, qui s'est retrouvé avec en fait une grande majorité de son activité pendant plusieurs semaines, essentiellement en marketplace, où justement ces marchands, ces tiers, livrent directement aux clients de manière résiliente, sans passer par les magasins et les entrepôts. Ça a permis de maintenir le lien avec le client, et puis ça a aussi permis de maintenir, vous citiez tout à l'heure, les besoins très forts qui sont apparus liés au télétravail. Donc nous, beaucoup de nos clients se sont, voilà, ont pu, en quelques jours, en quelques semaines, mettre en place une offre, par exemple, sur l'équipement de la maison, l'équipement sportif, le bricolage, l'électroménager, qui dans un monde classique d'achat-revente, leur aurait pris des mois à référencer, voire plus. Donc cette capacité de réaction rapide pour les acteurs privés, pour répondre aux besoins. On pense aussi, on le voit au fil du temps, à la capacité à répondre à des pics de demande sur un sujet beaucoup plus léger que l'actualité, mais voilà, on vient d'avoir un beau pic de saison de ski en France. Et bien donc ça a été très utile pour des acteurs, distributeurs, là je pense à Decathlon avec qui on travaille, de pouvoir accéder en temps quasi réel à la production et au supply là où ils se trouvaient. Donc on voit que voilà, c'est un outil d'efficacité. Et quand même le dernier élément, parce que là j'ai beaucoup parlé des opérateurs, de ceux qui organisent, ce sont les TPE-PME. On a un tissu industriel qui est très riche. Et en fait, aujourd'hui, qui n'est pas forcément très digitalisé, je crois qu'on en reparlera plus tard, et on a vu que le fait d'avoir justement ces places de marché a permis, alors je pense à un de nos clients qui s'appelle Pour de Bon, qui est une marketplace de produits alimentaires frais, donc de petits producteurs aux quatre coins de la France, de viande, de produits, enfin de poissons, vraiment on est sur des produits qui a explosé pendant le confinement, parce que justement ça permettait, vous vous souvenez à l'époque les marchés étaient fermés, enfin on a vraiment eu un engorgement et un arrêt de certains circuits de distribution, et bien d'organiser pareil en temps quasi réel la rencontre entre l'offre et la demande. Et donc voilà, nous on est convaincus que le fait de disposer de cette technologie, le fait qu'elle soit utilisée par les grands acteurs ici, est un facteur d'autonomie et de résilience. Et d'ailleurs, je termine là-dessus, pour nous la plus belle preuve, c'était qu'en 2020 en France, Amazon a perdu 300 points de base de parts de marché. C'est à peu près un des seuls pays où Amazon a perdu des parts de marché en pleine année du confinement. Notamment parce que justement, on a un écosystème très résilient, énormément d'acteurs qui utilisent cette technologie, qui est 60% du business d'Amazon. Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas du tout condamné, au contraire, à être simplement dépendant de grandes plateformes non européennes. On peut, de manière loyale, utiliser ce même outil pour bien répondre aux besoins des consommateurs et raccourcir les chaînes de valeur. Merci beaucoup. Au fond, après le hardware de la résilience, on vient de parler de son software et vous avez bien montré, je crois, à quel point il est important. C'est une façon supplémentaire de souligner le caractère vraiment polymorphe, extrêmement complexe et varié des questions qui se posent en termes de résilience, de vulnérabilité, et qui se posent évidemment à la puissance publique pour savoir comment accompagner, comment répondre au mieux à ces questionnements. Alors Sandra Galina, donc merci de participer à ce débat à distance depuis Bruxelles, je crois. Vous êtes directrice générale de la santé à la Commission européenne, donc évidemment vous avez été au cœur de ces questionnements, au cœur de ces défis dans la réponse en temps réel à cette crise. Pouvez-vous peut-être nous dire rapidement quel regard vous portez sur ce qui a été mis en œuvre durant la pandémie en termes de sécurisation des approvisionnements pour assurer la continuité de l'activité médicale? Merci beaucoup. Je suis très honoré d'avoir été invité à cette, disons, table ronde. Si vous me permettez, je ne peux pas prendre la parole sans dire que ce thème est particulièrement important au vu des événements récents en Ukraine. Il y a une prise de conscience que l'Union européenne, pratiquement, n'a pas de choix que de devenir une puissance géopolitique
si elle veut défendre ses intérêts. Donc, je voudrais monter d'un clan la discussion et dire qu'on a maintenant assisté à des évolutions qui, selon moi, paraissaient absolument impensables quelques semaines, et il y a une espèce de glissement d'un ordre mondial qui est fondé sur les règles. Nous savons que l'Union européenne est une construction de droit, est une construction basée sur les règles, et il y a un glissement vers un ordre fondé sur la puissance et le rapport de force. Donc, le plus que nous serons capables de donner à nos entrepreneurs les moyens pour se rendre autonomes, pour pouvoir continuer à coexister. Et le dernier exemple, par exemple, qui vient d'être cité, d'une plateforme, j'ai beaucoup de discussions avec mon collègue Roberto Viola. Nous, on travaille toujours ensemble parce que la facette digitale de la santé est très importante. Et une des éléments qu'il faut éviter et d'être ubérisé. On a beaucoup de possibilités de faire notre business en tant qu'Européenne. Je salue cette volonté de donner une marketplace qui n'est pas l'Amazon, mais qui est un marketplace ouvert pour tous. Donc, je me permets ce commentaire pour dire que nous pouvons si le voulons. Alors, je pense que mon témoignage ici est utile s'il est sincère et s'il est aussi orienté sur des éléments concrets qui peuvent donner aux acteurs de la politique commerciale une meilleure vision de qu'est-ce que c'est la politique de la santé aujourd'hui. La politique de la santé aujourd'hui a vécu pendant la pandémie une immédiate et rapide croissance, et c'est important que vous soyez conscients de ça. Nous ne sommes plus ce qu'on était il y a 2 ans. Et de mon point de vue, le constat qu'il faut évidemment faire et que tous ils vous feront est que si on veut améliorer les choses, l'Europe et le monde doivent reconnaître qu'ils n'étaient pas pleinement préparés pour la crise. Mais désolé de vous dire, de bons philosophes, je peux vous dire aussi qu'une crise est une crise et on ne sera jamais complètement préparé pour les derniers éléments de la crise. Je veux dire, sinon, ce n'est pas une crise. Donc, je dois dire que les éléments de prévention et les éléments de préparation pour les crises sont fondamentaux et peut-être fondamentaux. Et selon moi, il y a des choses qui manquaient, mais sont des choses pour lesquelles on va se battre maintenant. Alors, qu'est-ce qui manquait en particulier? Bon, je vais vous dire le software. Le software est la dépense en santé publique qui n'est pas liée aux lits, aux hôpitaux, au personnel, mais disons le software qui est la vision d'une politique de santé publique claire. En général, la santé publique en tant que politique, elle absorbe très peu de ressources des États membres, en moyenne 3%. Si vous comparez, et je vous donne un chiffre qui était circulé par l'Economist au début de lockdown, au fait que nos lockdowns ont coûté au moins 3% de notre PIB, je vous dis tout de suite qu'il faudrait investir un peu plus sur le software. C'est-à-dire être préparé, ça veut dire être préparé dans la continuité. Ce n'est pas une question de la dernière mesure qui est prise pendant la crise. On pourrait aller très loin et voir qu'est-ce qui se passe avec les malades de cancer pendant une crise. Ça n'a été pas bon parce qu'on n'était pas préparé. Donc c'est ça la continuité, c'est ça. C'est le fond, la toile de fond dans laquelle notre santé doit glisser. La surveillance était obsolète. Obsolète, je vois ici, Miracle vient nous dire qu'il a des plans de technologie. J'entends les autres intervenantes. Malheureusement, je suis arrivé, disons, à l'heure qui était prévue, mais apparemment, vous étiez un peu parti à l'avance. Je n'ai pas pu entendre plus, mais je vois qu'il y a beaucoup de technologies qui nous permettraient de faire beaucoup de choses pour la surveillance. Et ça serait déjà l'heure qu'on utilise une technologie un peu plus moderne. Notre information, notre projection de qu'est-ce qui se passe ou de qu'est-ce qui va se passer dépend des données. Alors, la réponse, oui, quelquefois, elle a été un peu fragmentée, elle a été pas coordonnée, mais là, je vais vous dire, c'était des mesures complètement, je dirais, hors le commun. Et aussi, je vous dirais qu'il y a eu cet hiatus entre
la science et la politique. Disons que les scientifiques sont très à l'aise à parler des intervalles de confiance, ils vous donnent des données, disons, de probabilité, mais la politique ne s'exprime pas comme ça. La politique est plutôt noir ou blanc, il faut prendre des mesures pour une population, donc ce n'est pas dans un intervalle de confiance. Donc je veux vous dire la vérité, je pense et j'estime que reconnaître ce qu'on ne connaît pas un peu dans un discours politique est la chose la plus utile à faire. Et n'est pas essayer de tout maîtriser quand en réalité les scientifiques nous disent ce n'est pas possible de comprendre où on va arriver. Donc se garder des exit strategies. Avoir un chief epidemiologist en Europe, ça aidera beaucoup, c'est-à-dire avoir une personne un peu à la Fauci qui donne un message. Malheureusement, nous, on a eu beaucoup de messages, chaque État membre avait son message, mais bon. Le soin, et je viens ici au problème, mais la search capacity n'est pas quelque chose qui ne coûte pas. Garder des lits pour le cas où il y a une crise, ben, c'est plutôt coûteux, donc sachons aussi parler sans rhétorique. C'est bien d'avoir une surge capacity, mais elle doit être, disons, mesurée aux attentes, mais aussi à la menace qu'on doit gérer. J'ai vu que, par exemple, pour tout ce qui était gestion de du transport des patients à travers les frontières, on avait beaucoup de bonne volonté, mais tous étaient un peu dépassés, leur capacité était un peu dépassée. Donc, je veux dire encore une fois, le système dans la continuité, l'assistance primaire, elle doit avoir meilleur investissement. Franchement, l'investissement a été très pauvre, il y a eu des règles budgétaires. Bon, ne nous plaignons pas, c'est aussi le résultat des bons coupes qu'on a eues dans le passé, mais l'assistance primaire doit recevoir plus d'investissement. Mais toutefois, je dirais toutefois, il faut reconnaître aussi ce qui a bien fonctionné. Et je dirais que la réaction européenne fut rapide en collaboration rapprochée avec les États membres, mais aussi entre différents services de la Commission. Et ça est un unicum, au moins dans mon expérience. L'absence formelle de compétences en santé n'a pas empêché des initiatives que je définirais sans précédent, des initiatives qui avaient aussi une envergure majeure. Nous avons travaillé au-delà de silo dans la Commission, donc pour tout ce qui est, je dirais, la gestion d'une pandémie, il faut avoir cette approche où nous sommes tous coordonnés par une cellule centrale, mais tous on travaille ensemble et ça a été, disons, ça a fonctionné de manière exceptionnellement bonne. La commissaire Kyriakides et le commissaire Breton ont mis sur pied un dialogue structuré. J'espère que nos collègues qui sont dans le panel ont pu le voir. C'est un dialogue structuré avec l'industrie. Il y a des rencontres hebdomadaires au pic de la crise avec les représentants de l'industrie pharmaceutique, des génériques, des dispositifs médicaux. Je dois dire que ce type de dialogue a été extrêmement utile dans les premiers moments. Il y a eu une grande modélisation de la part de l'ECDC. L'ECDC est sous-estimée. Je pense que cette modélisation nous a permis d'informer les discussions de l'industrie en termes de cas anticipés. Pour l'industrie et pour tous, je dirais, la prédictabilité est une clé pour la stabilité de l'approvisionnement. Sans une prévision, on ne peut rien faire. Donc, on revient à la question science, intervalle de confiance, mais aussi quels sont les modèles, qu'est-ce qu'on peut gérer. La communication sur ces modèles, je fais une petite parenthèse, est toujours très compliqué parce qu'il faut éviter la panique, mais je dirais que c'est toujours important d'avoir des prévisions. Je dirais aussi qu'il y a eu une
toute une série de travaux sur des marchés publics conjoints pour l'approvisionnement de médicaments au début, pour les soins intensifs, pour les tests d'équipement, l'équipement de protection individuelle, les EPI, les ventilateurs. Je vais vous dire, il y a eu beaucoup de travail au début de la crise dont on a tiré la conclusion. La conclusion était qu'il fallait l'exclusivité. Et je dois dire que le succès de la stratégie vaccinale européenne est bâti sur sept petits grains de sable. Le petit grain de sable pour créer la perle. C'est une petite partie de la souveraineté des États membres qui est venue à la Commission. Et disons le fait qu'on n'avait pas de compétences. Je dirais que paradoxalement, ça fonctionnait encore mieux parce que les États membres étaient très relaxés parce qu'ils savaient qu'en tout moment, ils pouvaient reprendre le pouvoir dans les mains. Donc, je vais vous dire, compétence ou pas compétence, c'est vraiment question de comment gérer la relation avec les États membres. Et la stratégie vaccinale a été un succès parce que là, il y a eu vraiment la possibilité de bâtir une énorme structure européenne qui a donné ses fruits dans le temps. Et nous voyons où nous en sommes. Il y a eu deux autres éléments qui ont fleuri dans cette période. Il y avait une espèce de clearinghouse. C'est un peu l'approche du marketplace qui vient d'être décrit. Donc, il y avait une plateforme d'échange d'informations sur l'offre et la demande des différents États membres, des différentes industries. La DG Concurrence, par exemple, elle a aussi travaillé très bien en rédigeant des comfort letters, non? Donc, c'était, disons, des lettres pour permettre un dialogue essentiel entre différents acteurs du même secteur. Donc, je vais vous dire la vérité, ça c'était pas tout à fait facile au début. Et je vais vous dire que c'est très important que dans cette phase de crise, il y ait un véritable et sincère rapprochement de politique extérieure et de politique intérieure. Moi, je peux vous dire que j'ai bénéficié du fait que j'ai passé 20 ans à la politique commerciale, mais je me suis rendu compte tout de suite qu'un système sophistiqué comme la stratégie vaccinale qu'on avait, sans une gestion attentive des exportations, nous aurait mené nulle part. On avait je dis toujours aux gens un peu banalement, on avait une baignoire qu'on remplissait avec des vaccins, mais à la fin, il y avait un grand trou. Il fallait voir où nos exportations allaient. Et je vais vous dire qu'on a l'honneur et le privilège d'être la seule puissance qui, pendant la pandémie, même dans les moments plus difficiles, on a gardé les exportations ouvertes, tout en sachant où ces exportations allaient. Parce que c'était fondamental savoir où et comment les exportations s'est passées. Et cette synchronisation interne-externe a été très utile. Évidemment, ça a coûté un peu au début. Je sais qu'il y a eu quelques collègues qui m'ont un peu critiqué, mais sans ça, on n'aurait pas eu le succès. Donc, je vais vous dire que à tout ça, on peut ajouter l'élément, je dirais, un peu qui s'est vu plus dans la presse, c'était les stocks stratégiques gérés par la DGECO à travers son instrument de protection civile. Mais je vais vous dire, l'armamentaire qu'on avait, c'était formidable. Je pense que c'est une expérience qu'on va continuer à étudier parce qu'elle nous a donné tous les moyens pour les prochaines crises. Merci beaucoup pour cette présentation et cet exposé très complet, éclairant de la réponse de la Commission, de l'importance de ces différentes dimensions, y compris de coordination, d'anticipation, des modalités de décision aussi. Évidemment, la question que l'on se pose, c'est quelle est la vision des acteurs de terrain, du secteur privé, à la fois de la stratégie que eux-mêmes doivent mettre en œuvre dans ces conditions de crise, et puis également quel regard ils portent sur les interventions, l'accompagnement des politiques publiques. Frédéric Le Grevès, quel regard portez-vous sur ces questions, justement, sur comment vous êtes-vous adapté, quel regard portez-vous sur les mesures de politique publique? Alors, tout à l'heure, c'était intéressant, Madame Méjean, vous êtes revenue justement sur le just-in-time.
et sur la façon dont parfois la chaîne de valeur se faisait. Et il est vrai que dans l'industrie des semi-conducteurs, je vous l'ai expliqué tout à l'heure et vous l'avez repris en disant il faut plusieurs mois pour fabriquer une puce. Et malheureusement, dans beaucoup des industries avec lesquelles on travaille, on était sur un système de just-in-time, c'est-à-dire qu'on fournissait au fur et à mesure. Et cette crise nous a vraiment démontré l'importance de pouvoir avoir de la visibilité et de travailler en transparence. Et donc, c'est ce qu'on est en train de ce qu'on a mis en place là, depuis la pandémie avec nos clients et également les clients de nos clients. Parce que comme je disais tout à l'heure, parfois, on travaille en direct ou on travaille via des distributeurs ou dans l'automobile, via les équipementiers, par exemple. Et donc, on se rend compte qu'il est vraiment nécessaire de plus en plus d'être au contact, au plus près de l'acteur qui va utiliser le composant. Donc, beaucoup de façons différentes de travailler se sont mises en place où on essaye d'avoir beaucoup plus de visibilité, de travailler en transparence et d'accentuer vraiment cette communication avec nos clients. Donc ça, je dirais, c'est sur la partie avec nos clients. Sur la partie fournisseurs, on a également appliqué ce qu'on a appris avec nos clients sur les fournisseurs. Donc, essayer de leur donner également un maximum de visibilité et de transparence de nos besoins. On travaille bien sûr, et la crise ukrainienne nous le démontre, l'importance de travailler en multi-sourcing. Donc bien sûr, quand on travaille en mono-sourcing, vous arrivez à tirer les prix, je dirais, au mieux, mais on s'est rendu compte qu'on a besoin de ce multi-sourcing. Aujourd'hui, avec la crise ukrainienne, grâce à ces multi-sources, on arrive pour l'instant à ne pas avoir, on ne voit pas de problème, je dirais, à court terme. Après, à plus long terme, on verra, mais pour l'instant, à court terme, on n'a pas de problème visible. Et puis, ce qu'on a fait également, c'est qu'on a une approche qu'on appelle d'intégration verticale. C'est-à-dire que pour certains éléments qui nous sont essentiels, comme certains matériaux, on rachète des entreprises. Donc ça a été le cas par exemple sur le carbure de silicium. L'année dernière, on a racheté l'entreprise suédoise qui s'appelle Norstel. Et on est également en temps de finaliser une production en Europe de ce matériel qui pour nous est essentiel. Donc à la fois un travail au plus proche, maximum de visibilité, multi-sourcing et intégration verticale. Donc voilà un petit peu ce qu'on a mis en place sur la sécurisation des approvisionnements. Après, en ce qui concerne l'accompagnement des pouvoirs publics, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais l'industrie des semi-conducteurs est une industrie qui est extrêmement avec des montants pour des capacités de production ou pour le développement de la R&D qui sont énormes. Pour une usine, par exemple, je suis sûre que vous avez tous entendu les gros du marché aujourd'hui annoncer leurs chiffres. Une usine TSMC au Japon, c'est TSMC met 7 milliards et l'État japonais met 7 milliards en subvention. Les usines que TSMC ou bien Samsung ou Intel ont annoncé aux États-Unis, on est entre 12 et 20 milliards pour une usine. Donc on se rend compte un petit peu des montants phénoménaux. Une machine, un équipement dans une usine, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, on a besoin d'avoir des aides publiques. On en a bénéficié via le PIEC, hein, le projet important d'intérêt européen commun. Et on remercie à la fois l'État français et l'Union européenne pour nous avoir permis, depuis de nombreuses années, de bénéficier de ces aides qui sont principalement sur la recherche et le développement
et ce qu'on appelle les FID, les premières industrialisations. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est essentiel, et comme l'a mentionné Mme Verstager tout à l'heure, c'est ce qui va nous aider au travers du European Chip Act. Il est essentiel que les constructeurs européens, les fabricants européens d'équipements de semi-conducteurs puissent être également aidés sur les capacités de production, ce qui n'a jamais été le cas en Europe. Mais aujourd'hui, on le voit, il y a eu une explosion des subventions pour des capacités de production dans toutes les géographies du monde, hein, que ce soit aux États-Unis, au travers du Chip Act, 52 milliards de dollars ont été mis sur la table. C'est le cas en Chine. En Chine, ils parlent de 150 milliards sur 10 ans. La Corée, 60 milliards sur 3 ans. Enfin, c'est des montants énormes. Donc, au travers du European Chip Act, les États membres et l'Union européenne, on est à peu près à 42 milliards d'euros d'aide pour l'R&D, les capacités de production en Europe. Et c'est vraiment essentiel pour nous. Et vraiment, on salue les gestes qui sont faits et on a hâte de pouvoir travailler avec nos États membres. Et pour nous, ST, c'est principalement la France et l'Italie et bien sûr l'Union européenne pour pouvoir mettre en place ces subventions et ces aides. On a parlé beaucoup d'autonomie, de résilience. C'est important aujourd'hui de pouvoir garder nos capacités de production en Europe. On a la chance avec ST d'avoir des usines en France et en Italie. Avec des grosses capacités de production pour pouvoir servir au mieux le marché européen. Et bien sûr, on est à l'export également, mais on sert le marché européen. Et donc, c'est vraiment très important pour cette autonomie et cette résilience qu'on puisse continuer à garder ces productions en Europe. Et donc, nous, on a annoncé déjà sur l'année 2022, en termes de CAPEX, 3,6 milliards d'euros d'investissement, dont quasiment la majorité se fera en Europe. Donc voilà, on le fait sur nos fonds propres, mais par rapport aux chiffres que je vous ai cités des autres, vous comprenez qu'on a aussi besoin de ces aides. Mais une fois de plus, tout va dans le bon sens. Donc on espère pouvoir travailler très rapidement sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Alors, on se pose en particulier la question des interventions nécessaires pour assurer la résilience du secteur en ce qui concerne la santé et le secteur pharmaceutique, notamment à la fois en termes de capacité d'innovation, mais aussi en termes de capacité de production, de compétitivité, de normes également. Et puis, en parallèle, en termes d'intervention dans l'urgence et en termes d'intervention structurelle. Quel est le rôle des puissances de la politique publique dans ce domaine, Madame Galina? Merci. Le rôle peut être vraiment celle qui vient un peu d'être indiquée par l'intervenante, c'est-à-dire de stimuler. Mais alors, soyons très concrets. Le dialogue structuré, et je suis désolé de revenir à ce que tu disais, a planté le germe d'un dialogue franc sur le concept d'autonomie stratégique ouverte entre nous et l'industrie. On essaie de comprendre quels sont les thèmes sur lesquels il y a un écosystème dans lequel on pourrait investir. Je peux vous dire que je vois bien dans le futur quelque chose qui puisse venir dans le côté des antibiotiques, parce que les antibiotiques seront notre challenge futur. Si vous le voulez, les projets d'intérêt européen commun qui viennent d'être cités pour les chips seront une clé fondamentale. Or, il faut aussi être sincère, il faut un peu de leadership. Merci pour la France pour la leadership dans ce secteur de la pharmaceutique, parce que franchement,
Il faut aussi se donner les moyens de pouvoir structurer et de choisir quels sont des projets de véritable intérêt européen. Or, il est clair que tous les producteurs rêvent d'avoir un projet d'intérêt européen entre leurs mains. J'exagère peut-être un peu, mais c'est clair que imaginez qu'avec ça arrivent les subventions avec un regard un peu, je dirais, bénigne de la part de la Commission est toujours une véritable un bonheur pour tous. Donc, selon moi, ce qu'il faudra faire, c'est le pouvoir public doit garder bien étroite la ligne interne-externe, parce que, disons la vérité, il y a beaucoup, beaucoup de subventions en ce moment. Je me félicite pour le fait qu'en Europe, on essaye de produire des chips et on essaye aussi de donner des subventions. Mais espérons que ça n'arrive pas à produire une espèce de surplus mondial de chips sans devoir, en payer les conséquences. Or, peut-être c'est un peu caricatural, mais je veux dire, on arrive très tard et le pouvoir public, évidemment, il dit « mettons l'argent » parce que aussi l'argent, peut-être c'est plus facile à mettre. Donc, encore une fois, un software, pensez interne, externe. On le verra dans les prochaines semaines, je vais vous le dire. Pour la question, moi je gère aussi le côté alimentaire, pour la question alimentaire, on ne va pas ici créer de la panique, on a certainement tous les moyens, mais la sécurité alimentaire, ce sera notre défi avec l'Ukraine. Donc il faudra un peu gérer la dimension interne et externe en complémentarité parfaite, chose que souvent, ou bien l'interne voit seulement le côté interne, donc il voit seulement le subside, ou le côté externe, il dit, bon, mais il y a des millions de possibilités d'importer, pourquoi n'importons-nous de n'importe quel pays ou de n'importe quel fournisseur? Alors là, je vais vous dire, quand on a eu le problème au début de la crise, le problème était clairement visible. Je ne vais pas dire le générique, mais il est clair que ces produits-là étaient sourcés d'un seul, je dirais, fournisseur, c'est-à-dire de 8 usines qui étaient toutes en Inde, d'un seul type. Est-ce que ça vous semble normal? Non. Donc, le pouvoir public doit avoir une capacité de stratégiquement voir, de penser à une diversification. Donc, pour la stratégie pharmaceutique, ce que nous espérons d'arriver à faire, c'est avoir un côté interne où nous donnons des incentives. Parce qu'évidemment, nous, on veut l'innovation, on veut des produits nouveaux, on ne veut pas le produit qu'il y avait 20 ans et qui est produit en Europe. Non, ça ne me sert pas trop, je veux le produit nouveau. Pour ça, il faut savoir qu'il y a des éléments fondamentaux. Je sais que le débat sur la propriété intellectuelle est toujours un peu compliqué, mais il faut aussi reconnaître que la propriété intellectuelle est un élément, je dirais, presque davantage compétitif. Si vous donnez une bonne protection, vous aurez la possibilité d'investissement dans certains types dans votre continent. Donc, je dirais que notre positionnement aujourd'hui est très différent par rapport au début de la crise. Et sans la pandémie, sans les expériences qu'on a eues pendant la COVID, on ne serait pas où on en est. On a la nécessité d'avoir des médicaments nouveaux, mais aussi à un bon prix. Là, évidemment, je viens toujours sur le fait que l'industrie doit avoir une prévisibilité. C'est une chose de produire autant, c'est une chose de produire beaucoup moins. C'est une chose de savoir que le contrat sera signé, c'est une chose de produire dans le vide. Donc, je veux dire, la petite expérience des vaccins m'a appris certaines limites de ce qu'on peut demander, mais m'a appris aussi qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. Donc, des prix abordables, c'est très important. Des quantités qui soient, suffisantes pour toute l'Europe. Et ce n'est pas que la quantité, c'est l'autorisation. Le système de médicaments, je veux vous dire, doit encore vivre l'expérience d'un marché unique. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment ce qui est un véritable marché unique parce que chaque
pays est morcelé, est fragmenté, il est dans son coin, il a certains produits, il n'a pas des autres. Je pense que c'est dans l'intérêt de l'industrie et je pense que l'industrie est très intéressée à avoir un système à 27. Le marché du médicament est d'ailleurs global. Donc disons que toutes les chaînes de valeur sont globales. Il y a la recherche, il y a la production, il y a l'approvisionnement. Donc ne pas prendre en compte cette complexité globale compromettrait tout de suite le succès de la stratégie. Donc je vais vous dire tout de suite, quand on a lancé la stratégie vaccinale et ici pour la pharma-stratégie, on regardera aussi au-delà de nos frontières. Créer une autonomie, ça veut dire aussi se donner les moyens d'une importation diversifiée. Et je veux dire, penser que ça, soit, que ça doit être produit tout en Europe, je pense et j'estime que ce n'est pas faire un bon service à nos concitoyens. Donc, l'autarchie moyenâgeuse, ce n'est pas le concept que nous avons ici à la Commission, surtout pas le concept d'une DG qui doit vivre avec des grandes découvertes aussi en externe. Donc, on sera ambitieux mais aussi pragmatique. Disons qu'il y a des valeurs européennes. Il y a des valeurs européennes, nous on veut défendre l'ordre international qui est basé sur les règles, l'état de droit, bien que ce soit à niveau international ou que ce soit à niveau domestique. Donc, si vous voulez, il y a un rôle, et ça je sais c'est compliqué à le dire, mais il y a un rôle sociétal du secteur pharmaceutique. Évidemment, la stratégie pharma s'est faite en parfaite intelligence avec les acquis européens et nos engagements internationaux. Donc, je veux dire, ce n'est pas deux mondes différents. Si vous voulez, je vous donne quelques exemples d'où je vois que notre... Très vite alors, s'il vous plaît, madame. Excusez-moi, je parle de temps. Que nous avons eu la possibilité de découvrir qu'il existe une Europe d'investissement commun. Donc, toutes les recovery, resilience and recovery plans, tous ils ont une dimension, je dirais, de santé très poussée. Donc, il faut avoir un dialogue avec le secteur privé pour comprendre où on va avec cet argent-là. Il y a eu un paquet monstre qui s'appelle Health Security, donc je dirais de l'Union de la Santé, qui est parti le 11 novembre de 2020. On a déjà eu des fleurs qui sont arrivées, la révision du mandat de l'Agence du médicament, la révision du mandat de l'ICDC, mais aussi la création de HERA. Là, il y a pas mal de choses qui peuvent se faire avec l'industrie. Et je dirais que nous, on voudrait aussi ajouter la dimension internationale d'un traité sur les pandémies et d'un renforcement de l'OMS. Parce que, soyons concrets, la santé, elle ne s'arrête pas à nos frontières. Et je voudrais dire aussi que la dimension digitale n'est pas sous-estimée parce que l'industrie veut des données. C'est le pétrole du futur, on est assis sur un tas de données, donc une stratégie pharmaceutique sans le volet digital ne serait rien. Donc j'espère avoir donné des idées sur ce qu'on voit, mais notre stratégie pharmaceutique d'aujourd'hui n'est pas celle qu'elle aurait pu être il y a deux ans. Aujourd'hui, on a vu qu'à 27, on peut faire des choses qu'on ne soupçonnait pas de pouvoir faire avant. Merci beaucoup, y compris pour insister sur cette importance de la coordination et de l'union entre les 27 pour réagir, pour résister et pour réagir dans ces contextes de crise. Alors, une dimension de la capacité à affronter les crises, évidemment, une dimension de plus en plus cruciale, c'est le numérique, la numérisation de l'activité économique. C'est un enjeu clé de résistance. Le software de la résilience, on le disait tout à l'heure. Et donc, Florian Bresson, j'ai envie de vous demander comment est-ce que les entreprises accompagnent cette démarche. Et puis, plus largement, quel regard portez-vous sur ce qu'on a appelé dans une directive européenne récente, la résilience des infrastructures critiques, enfin des entités critiques, pardon, et donc
finalement cette dimension de la vulnérabilité ou de la résilience qui est celle de l'écosystème, de notre capacité à coordonner, de notre capacité à organiser notre marché. Question qui est rendue d'autant plus critique aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, avec ce que l'on sait de la capacité de la Russie à justement à la fois désorganiser par le software et puis cette crise qui est une source de tension majeure. Alors, très vaste question et je vais essayer d'être bref. Je me permets juste de rebondir très brièvement autour de l'exemple, parce qu'on parle d'organiser, de production, de prévisibilité, du sujet des masques. Là, on parle des masques concrets, voilà, FFP2 et autres. Et c'est vrai que nous, on l'a vu avec Stop Covid, j'ai parlé tout à l'heure de l'efficacité des mécanismes marketplace qui reste un mécanisme de marché pour, à un instant donné, trouver le meilleur supply dans les meilleures conditions. Moi, je suis aujourd'hui un peu inquiet. Alors dans mon rôle, mais aussi comme citoyen, de voir que, et ce n'est pas qu'en Europe, aux États-Unis également, et madame, vous l'avez dit, il faut lier l'interne et l'externe, il y a eu un début d'amorce de mise en place de capacités de production plus locales. Or, on voit que quand c'est la pandémie, honnêtement, c'est bien d'en avoir quand même. Et il y a eu aujourd'hui beaucoup de ces acteurs qui sont en très grande difficulté. L'article hier, alors je vais prendre les US, c'est moins polémique, mais la plupart des acteurs qui ont lancé ça sont en train de faire faillite. Parce qu'il n'y a justement pas suffisamment de commandes publiques et de visibilité. Donc je pense que c'est très important dans la phase où on rentre maintenant, qui est un petit peu plus une phase au long cours, de justement se donner, et le secteur privé là-dessus réagit très bien aux incentives, on l'a vu, les mécanismes qui permettent dans la durée de garder des capacités de production critiques sur ce genre de sujet. Parce qu'il y a eu, pour être très clair, il y a eu des actions aussi de dumping, sans citer personne, quand on a vu que ces capacités se mettaient en place. Donc voilà, on a dans l'introduction dit qu'il ne faut pas être naïf. Je pense qu'à mesure qu'on se constitue ces capacités, et j'en viens à votre question sur le software, ce n'est pas forcément vu d'un bon œil partout que l'Europe se dote de son autonomie stratégique. Et on le voit d'ailleurs, nous, dans les sujets réglementaires, qui sont très bienvenus, qu'il y a des effets de seuil ou la manière dont les grands acteurs, les grandes plateformes mondiales font un lobbying considérable, définissent des effets de seuil qui, en fait, peuvent paradoxalement pénaliser des acteurs locaux. Les marketplaces que nous, on accompagne, on voit qu'en fait, une partie des réglementations qui se mettent en place pourraient, en fait, pénaliser des acteurs locaux. Donc, il va falloir beaucoup de subtilité pour mettre ça en place, parce que notre indépendance ne sera pas forcément vue comme une bonne chose. Et alors, à notre beaucoup plus modeste échelle de Miracle, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'accompagner ces TPE, PME européennes. On a quelque chose qui s'appelle Miracle Connect. Aujourd'hui, il y a à peu près 50 000 TPE, PME qui sont présentes sur les marketplaces. En Europe, 95% des vendeurs sur les marketplaces que nous accompagnons sont européens. Donc on est bien dans cette notion aussi de plus forte autonomie, qui ne veut pas dire autarcie, hein, parce que ça ne veut pas dire qu'ils ne fabriquent qu'en Europe. Et nous, notre contribution, c'est à la fois d'aider ces acteurs plus traditionnels à se battre à armes égales avec une technologie performante et d'aider à digitaliser cet écosystème. Parce qu'on parle beaucoup de balance commerciale, d'autonomie, il y a déjà aussi un enjeu de répondre bien à la demande intérieure. Et l'exportation, évidemment, qui est un complément. Donc nous, on pense que le fait de rendre disponible, je parlais tout à l'heure des petits producteurs qui vont en avoir besoin si, avec ce qui se passe en Russie, d'être plus digitaux, de pouvoir avoir accès à des marchés locaux ou européens, on pense que voilà, la technologie a un rôle à jouer. Et évidemment, sans rentrer dans le détail, mais nous, on a augmenté, comme je pense beaucoup d'acteurs de la tech, notre degré de vigilance, de visibilité. On a déjà les plus hautes certifications de sécurité, SOC 2 par exemple, parce qu'on sait aussi que le succès, c'est super, mais ça n'attire pas forcément que des regards bienveillants. Et donc, il faut être aujourd'hui, voilà, pas de naïveté et une très, très grande vigilance sur tous les plans. Merci. Je me fais le relais d'une question qui nous est posée par Internet, mais précisément dans le contexte actuel, alors je sors de la seule problématique des marketplaces en m'excusant du caractère large de la question, mais j'aimerais vous demander, donc relayer cette question, au fond, ce que vous pensez de la préparation de l'écosystème numérique européen actuel dans ce contexte de crise aiguë de la guerre en Ukraine. Sujet vraiment très très vaste.
Honnêtement, je pense que je ne suis pas le mieux à même de commenter. Nous, je sais qu'on voit beaucoup d'initiatives au niveau français et dont certaines sont européennes de vigilance accrue. Et ce n'est pas que sécurité purement digitale. Hein, on a des aspects aussi physiques, d'infrastructure. Mais donc on voit qu'il y a une mobilisation. Est-ce qu'elle est suffisante ou est-ce qu'il va en tout cas falloir l'augmenter certainement? Mais c'est vraiment vaste sujet. Merci beaucoup. Alors justement, en restant dans la perspective large, Isabelle Méjean, la question qu'on se pose plus largement, c'est celle de l'évolution du commerce international et de la mondialisation face à toutes les questions qu'on vient de poser, à cette prise de conscience de l'importance centrale de la robustesse ou de la résilience des chaînes de valeur et plus généralement de la capacité à faire face aux crises. À quoi pensez-vous qu'il faut s'attendre en termes d'évolution du commerce international et de la mondialisation, voire de reconfiguration des chaînes de valeur? Bon, évidemment, c'est une question qui est difficile, à laquelle on évite de répondre, puisque ça nécessite de faire des exercices de prévision qui sont très compliqués à faire. Donc peut-être pour répondre, c'est important de rappeler d'abord ce que vous avez dit au tout début de cette table ronde, c'est-à-dire que ces questions de résilience, souveraineté, etc. sont intervenues à l'occasion de la crise Covid, mais dans un contexte où déjà les tensions internationales étaient très importantes et la structure du commerce international était déjà affectée par ces tensions. Donc en particulier, si on réfléchit ou si on regarde les statistiques de commerce international, ce qu'on voit, c'est que sur une période un peu longue, on a eu deux décennies très particulières que sont les années 90-2000, où on a une augmentation très importante du volume du commerce international en lien avec l'allongement de ces fameuses chaînes de valeur mondiales. Mais cette période un peu atypique semble s'être terminée en gros avec la crise de 2008. Et sur la décennie 2010, il semble que ces chaînes de valeur, encore une fois, il y a plein de problèmes statistiques, donc c'est pour ça que je suis assez prudente sur ces affirmations, mais l'impression que ça donne, c'est que dans les années 2010, on a déjà une forme de stabilisation de la structure de ces chaînes de valeur mondiale, en lien évidemment avec le ralentissement de la croissance chinoise, mais aussi avec les tensions qui ont été très importantes sur les années 2010. On a eu la guerre commerciale sino-américaine. Dans le contexte européen, le Brexit a été une période qui a exacerbé les incertitudes sur les évolutions, sur le contexte des relations internationales. Et cette augmentation très importante des incertitudes, on le voit pour le coup dans les données, a déjà des conséquences sur les investissements des entreprises. Donc les entreprises qui forment, disons, les nœuds de ces chaînes de valeur mondiales ont des stratégies d'investissement qui sont évidemment très fortement affecté par le contexte international qui était déjà dégradé avant la crise Covid et qui continue, disons, à être assez fortement dégradé par un certain nombre de tensions, et on ne va pas revenir là-dessus. Donc évidemment, la question, c'est de savoir un peu ce que ça va donner dans le futur. Dans le futur, il y a un certain nombre de choses qui ont changé avec le Covid, qui devraient avoir évidemment des conséquences sur le commerce, les chaînes de valeur. La première chose, c'est le fait que l'argent public est devenu beaucoup plus abondant, et avec cette abondance d'argent public, cette abondance relative d'argent public, on a vu, et c'est ce dont on parle aujourd'hui, une résurgence des politiques, disons, industrielles et puis de la politique commerciale qui vise à augmenter les capacités de recherche et développement, mais aussi de production dans les économies nationales. Et donc ça, on l'a vu en Europe, mais on l'a vu évidemment à beaucoup plus grosse échelle aux États-Unis, en Asie, etc. Donc l'argent de la politique industrielle va nécessairement alimenter de la production locale qui, mécaniquement, va un peu augmenter la structure régionale de ces chaînes de valeur mondiales, à l'inverse d'une structure qui serait plus éclatée géographiquement. L'ampleur, l'impact que ça va avoir, et la question de savoir si ça sera mesurable statistiquement, c'est à cette question-là que je ne vais pas répondre. Ça dépend évidemment de l'efficacité de ces politiques, de la manière dont elles sont ciblées et des choix qui sont faits.
Peut-être ce sur quoi on n'a pas beaucoup parlé jusqu'ici, mais qui me semble important pour répondre à cette question, c'est le fait que l'argent de la politique industrielle va évidemment affecter les choix d'investissement des entreprises, mais quelque chose d'autre qui va beaucoup affecter les choix d'investissement des entreprises, c'est la politique environnementale européenne, qui elle aussi est devenue beaucoup plus ambitieuse, avec des changements très importants, notamment les changements qui concernent l'extension des marchés ETS, en particulier au secteur du transport. Le transport, c'est un peu l'essence des chaînes de valeur mondiales, le transport intra-européen, mais aussi le transport international. Et donc, les évolutions réglementaires qui vont affecter le secteur du transport vont évidemment avoir des conséquences sur les choix d'investissement des entreprises. Et associé à cette extension des marchés ETS, stratégie d'ajustement carbone aux frontières de l'Europe qui a été annoncée dans le cadre du Green Deal européen, qui aussi va avoir évidemment des conséquences sur les choix d'investissement des entreprises. Donc ces deux éléments, un peu mécaniquement, vont inciter plus fortement les entreprises à produire plus localement, et c'est un peu l'idée, c'est le but de ces politiques pour amener à une plus grande sobriété environnementale, mais vont donc avoir des conséquences très importantes sur la structure du commerce international et sur le fonctionnement de ces chaînes de valeur. Merci beaucoup. Il nous reste relativement peu de temps et je voudrais vous donner la possibilité de poser des questions si vous le souhaitez. Donc, s'il y a des questions dans la salle, je vous invite à lever le bras pour les poser. Et sinon, je vais me charger de le faire moi-même, d'enchaîner sur ces questions. Alors, et notamment en relayant des questions qui ont été posées par Internet. Bon. On a abordé énormément de dimensions. Une question qui était posée à votre intention en particulier à propos, Madame Le Grevès, à propos de l'industrie des semi-conducteurs, c'est de savoir dans quelle mesure, à l'exception de certaines importations de matières premières qui est difficile d'organiser différemment, dans quelle mesure il serait possible d'organiser une chaîne de valeur au niveau continental de l'Union européenne, ce qui fait au fond écho à ce que vient de dire Isabelle Méjean sur la dimension plus régionale, en certains cas, des chaînes de valeur. Est-ce que ça s'applique éventuellement aux semi-conducteurs? Quels sont les principaux défis ou points de blocage par rapport à ce potentiel objectif? Sur ce que nous produisons en Europe. Alors, comme je l'ai expliqué au tout début, déjà, dans ce que l'on produit en Europe, une partie des usines front-end donc, sont en Europe, une partie des usines back-end sont également en Europe, mais on en a aussi en Asie. En fonction des composants, on a certains composants qui sont fabriqués aujourd'hui en Europe, qui peuvent être assemblés en Asie, ou d'autres qui sont assemblés en Europe. Donc déjà, en termes de ce que nous, on envoie en exportation, y a certains composants qui vont y aller. Après, au niveau des éléments dont on a besoin pour assembler nos produits, là c'est pareil, au niveau de la chaîne de valeur, beaucoup de nos fournisseurs sont globaux. Aujourd'hui, il y a des composants ou des matériaux qu'on ne trouve plus en Europe. Donc, on se source en multi-sourcing, bien sûr, à l'extérieur de l'Europe. Donc, c'est difficile pour nos composants de dire qu'on va être en sourcing seulement à partir de l'Europe. Alors, on a peu de matières premières quelque part, parce qu'on a bien sûr donc nos fameuses plaques de silicium, et après on utilise principalement des produits chimiques, de l'eau et des gaz. Donc voilà, certains sont disponibles en Europe, d'autres non.
Donc c'est peut-être effectivement, comme le disait Madame Méjean à un moment, regarder justement cette liste de produits qu'on ne fabrique peut-être plus aujourd'hui en Europe, qu'il faudrait peut-être repenser différemment. Par exemple, sur les produits chimiques, il y a des produits qui ne sont plus fabriqués en Europe pour des problématiques environnementales, et donc qui sont fabriqués en dehors, mais que nous, on est obligés d'importer pour pouvoir fabriquer nos composants. Donc, c'est un écosystème industriel qui, au fond, n'existe pas complètement au niveau européen, votre réponse n'est pas de dire non plus qu'il est impossible d'avoir un raisonnement plus régional dans l'organisation de cet écosystème. La crise l'a montré, hein. Rien n'est impossible aujourd'hui. Il suffit d'avoir ce travail qui est fait entre à la fois le privé et le public. Quand on met le privé et le public à réfléchir ensemble, ça peut être extrêmement puissant et on peut trouver des solutions ensemble. Mais pour ça, il faut s'asseoir autour de la table. Il ne faut pas parfois qu'il y ait des décisions, je dirais, au plus haut niveau qui nous soient imposées à nous, entreprises. Il faut qu'il y ait vraiment cette discussion entre les acteurs publics et les acteurs privés pour pouvoir ensemble trouver les meilleures solutions. Merci beaucoup. Alors nous arrivons au terme du temps qui nous était imparti pour cette discussion. Je retiens quand même de cette discussion que vous avez beaucoup, les uns et les autres, insisté sur l'importance de l'anticipation, l'importance de la coordination dans les réponses européennes, l'importance aussi du caractère relativement cohérent et uni de la réponse européenne. Et puis, au-delà de ces questions, disons, plus générales, transversales de coordination de mode de décision, il y a aussi, je crois, et ça a été dit quand même de différentes façons, un besoin de renforcement ciblé. J'ai envie peut-être de vous poser une dernière question, vraiment appelant une réponse de deux phrases, même si elle est générale, mais étant donné le contexte de crise aiguë dans lequel on est aujourd'hui, je voudrais vous demander peut-être comment vous voyez, s'il y a une priorité que vous avez envie de mettre en avant dans ces politiques de résilience que l'on essaie de pousser et de renforcer. Est-ce qu'il y a une priorité d'action publique ou d'ailleurs éventuellement privée que vous voudriez mettre en avant? Peut-être Sandra Galinache, que je peux vous commencer par vous solliciter de façon très brève sur ce dernier point de conclusion. Oui, malheureusement, je vais parler de l'immédiat. Je ne vais pas parler du moyen terme parce qu'à moyen terme, je vois une crise de réfugiés. Je dirais que l'immédiat est la possibilité d'aider des gens qui arrivent avec des conditions de santé bonnes, mais qui évidemment se dégradent. Et évidemment, les aider avec l'aide humanitaire. Mais nous, par exemple, à DG Santé, on est clairement dans le champ de trouver dans les hôpitaux européens, dans un système qu'on gère, les possibilités de lits qui peuvent accueillir des malades, même des enfants malades oncologiques. On a travaillé pendant tout le week-end pour ça, parce qu'il y a des bus, malheureusement, des gens malades qui doivent trouver un hôpital vite. Le deuxième point, et là je m'adresse à l'industrie, il est clair qu'il y aura des moments dans lesquels les gens vont aller acheter des produits. Il y a eu déjà des idées de s'acheter des pilules de iode. Je dirais les mêmes problèmes qu'on a eu au début de la crise vont se reproposer. Donc soyons tous, gardons tous la tête très froide. L'Europe peut faire à tout ce qu'il faut. Il ne faut pas non plus tomber dans la panique. On aura les moyens, évidemment, de gérer une situation pourvu que la situation reste gérable. Ecco, je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Isabelle Méjean, est-ce qu'il y a un élément de réponse que vous voulez mettre en avant? Disons, si on parle un peu plus du plus long terme, hein, puisque évidemment là les questions qui ont été abordées sont très fondamentales. Sur le moyen terme, je pense que sur ces questions-là,
autonomie stratégique ou politique industrielle. Ça a été dit, il y a besoin d'un dialogue entre le secteur privé et le secteur public. Là où le secteur public peut vraiment apporter des éléments très utiles en termes d'efficacité des politiques publiques. Je pense que c'est évidemment en amenant de l'argent, mais ça on en a beaucoup parlé. Ce qui a été un peu moins discuté, c'est pour ça que je reviens dessus sur cette dernière question, c'est vraiment la question statistique, la connaissance de l'outil de production européen et de sa dépendance au reste du monde. Sur ces questions-là, j'insiste parce qu'il y a énormément de statistiques qui sont utiles et qui sont sous-exploitées aujourd'hui, notamment en Europe. Et ça a été dit, la donnée, c'est très important, la connaissance et la donnée immédiatement mobilisable, c'est utile aussi pour anticiper et pour réagir à des futures crises qu'on ne peut pas anticiper aujourd'hui. Et j'ai trouvé, en tout cas, en tant que citoyen, et en fonction les sollicitations qui ont été faites au début de la crise Covid ont montré que finalement cette connaissance de l'outil industriel elle était très défaillante alors même qu'on est une zone économique de très grande taille avec énormément de statistiques qui sont collectées. Donc la data elle existe et je pense qu'elle peut être beaucoup plus exploitée au service d'une meilleure connaissance de nos dépendances, de nos modes de production et aussi possiblement pour fournir de l'information à l'industrie. Ça a été dit, c'est des choses sur lesquelles les industriels eux-mêmes ont une connaissance limitée et c'est vraiment un service public de, je pense, produire ces statistiques aussi pour le secteur privé. Merci. Florian Bressens. Je vais être bref. Organiser nos propres écosystèmes avec des objectifs clairs et des priorités. Et je rajoute une idée qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, mais dans la manière dont on achète, je pense qu'aujourd'hui, les critères achat, notamment publics, sont parfois très court-termistes et très basés uniquement sur le coût. Et l'idée que, voilà, quand on en aura besoin, on pourra trouver les éléments. Et je pense que ça va être important, à la fois la grande stratégie, mais aussi la manière dont elle s'exécute au quotidien, qu'on change un petit peu le logiciel, je reprends votre terme du software, pour intégrer cette notion d'autonomie, de résilience, dans la manière dont les décisions extrêmement quotidiennes, et notamment d'achat, sont prises, privées comme publiques. Avec de la suite dans les idées. Merci beaucoup, Frédéric Lecorvès. Sur plusieurs choses, je vous avais parlé de la donnée, je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui, on manage seulement ce que l'on peut mesurer. Et aujourd'hui, il existe énormément de données et parfois on recrée de la donnée au lieu d'utiliser ce qui existe déjà et on perd beaucoup de temps. Donc je pense que voilà, et je pense entre autres à beaucoup de choses qu'on nous demande aujourd'hui de recréer alors que des données existent et donc pour gagner du temps, utilisons ces données. Après, comme je l'ai dit au début, ce qui est important aussi bien sur la filière amont que aval, c'est la visibilité. Travaillons main dans la main entre acteurs privés, entre le privé et le public. On a des solutions en Europe, on a des constructeurs en Europe, on a des marchés en Europe. Donc il y a beaucoup de choses qu'effectivement qu'on puisse faire, même dans un monde globalisé aujourd'hui. On ne restera pas seulement sur le marché européen. Mais cette visibilité, cette transparence dans l'action peut nous faire gagner énormément de temps, surtout en temps de crise. Merci beaucoup. Voilà, ce sera le mot de la fin, le mot de conclusion de cette table ronde. J'espère que vous l'aurez trouvée, comme moi, éclairante, avec une grande diversité d'aspects qui ont été invoqués, avec bien sûr aussi des regards qui se croisent entre l'urgence de la situation tragique d'aujourd'hui, le besoin aussi de prendre du recul et d'analyser les épisodes précédents. J'espère qu'on a mélangé tout ça de façon utile. En tout cas, c'est ce qui m'a semblé. La conférence va prendre une pause et reprendre à 14h précise pour une deuxième table ronde qui sera consacrée, dont le titre est « Travailler à la préservation d'un commerce mondial fondé sur des règles, quelles perspectives pour le multilatéralisme commercial ?» Voilà, merci pour votre attention et merci beaucoup à nos intervenants.